peut-on réellement gagner 1 million d'euros sur Internet? C'est la question à laquelle j'ai envie qu'on réponde aujourd'hui, parce que ce chiffre d'un million qui veut pas dire grand-chose, je sais que on est nombreux, vous êtes nombreux à vouloir l'atteindre, et surtout, c'est un peu le mythe du million qu'on voit partout sur Internet, sur toutes les chaînes YouTube. Il fait un million avec sa chaîne YouTube, il fait un million avec son business en ligne, il fait un million avec son tunnel de vente. Moi, je l'ai fait, le million, je l'ai fait sur plusieurs business, pas que sur des business sur Internet, et j'aimerais qu'on en parle, parce que il faut déjà savoir qu'on parle d'un million de chiffre d'affaires, et vous allez voir que finalement, quand on creuse un petit peu, les millions sur Internet sont pas obligatoirement un objectif intéressant. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis Florian Pouvreau, je suis coach et expert en prospection digitale, et du coup je vais vous accompagner, je vais vous aider sur cette chaîne à développer votre business, à développer vos ventes, à développer votre mindset d'entrepreneur, à améliorer votre marketing. Donc toutes ces chaînes, toutes ces problématiques, vous allez les voir sur cette chaîne YouTube. Donc abonnez-vous, cliquez sur le bouton juste en dessous pour recevoir les vidéos. Et surtout, si vous avez une question pendant la vidéo ou si vous avez une question que vous voulez me poser, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. Alors, le million. En fait, déjà, faut savoir qu'on parle d'un million de chiffres d'affaires. Et que c'est un peu la promesse des gourous d'Internet aujourd'hui de faire un million. Première chose, un million de chiffres d'affaires, ça veut pas dire un million dans votre poche. Je sais que vous le savez, mais c'est bien qu'on le rappelle. Et des fois, il vaut mieux faire seulement 200 000, 300 000, 400 000 euros, être beaucoup plus tranquille, être beaucoup plus libre, qu'aller taper le million. Je m'explique pourquoi. Si on reprend l'idée d'un million. Un million, si vous vendez un produit à 500 euros ou 497 euros, comme on voit un peu partout sur Internet, ça veut dire qu'il va falloir que vous fassiez 2000 ventes à 500 euros par an pour faire un chiffre d'affaires d'un million. Alors ça aussi, c'est intéressant. Je fais juste une petite pause. Souvent, vous faites pas surprendre. Sur des vidéos ou sur des livres que vous voyez, on vous dit « il a fait un million », on vous dit pas en combien de temps. Et vous avez beaucoup d'entrepreneurs sur Internet qui ont fait en fait un million en 2-3 ans. Ça veut dire qu'en fait, ils faisaient 250 000, ou peut-être qu'ils ont fait genre 100 000 la première année, 400 000 la deuxième année, ce qui fait 500 000, et 500 000 la troisième année. Et donc du coup, en 3 ans, ils ont fait un million. Vous laissez pas surprendre et tromper par ce genre de choses. C'est normal, puisque moi, regardez, je suis en train de faire une vidéo sur un million. Je sais que si je vous parle du million, il y a beaucoup de gens qui vont venir voir cette vidéo, et mon objectif, c'est justement de vous aider à comprendre ce qu'il y a derrière le million. Pour ça, je vous ai attiré avec ce titre. J'espère que vous m'en voudrez pas. Donc si on reprend, si vous voulez faire un million avec un produit à 500 euros, c'est-à-dire qu'il faut faire 2000 ventes par jour, par mois, par an. Ah, j'y ai arrivé. 2000 ventes par an, et du coup, par jour, ça fait un peu moins de 6 ventes si vous vendez tous les jours, c'est-à-dire sur 365 jours, si vous faites en fait 5,5, 5,47, vous allez atteindre 1 million. C'est-à-dire que 2000 ventes, 5 ventes par jour, 6 ventes par jour, pendant 365 jours, vous allez faire 1 million. Si vous vendez plutôt sur comme moi, sur des jours ouvrés, c'est-à-dire que 200 jours par an, du coup, vous allez devoir faire 10. Puisque vous allez vendre 200 fois 10, 2000, 2000 fois 500, 1 million. Donc il faut vendre 10 produits, vous trouvez 10 clients ou revendre à des clients un produit à 500 euros tous les jours, 200 jours par an. Et à l'inverse, si vous vendez, parce que je sais, oui, vous allez me dire, mais moi je vends plus cher, donc si vous vendez à 2000, bah, il vous faudra en faire 500, ça veut dire un peu plus que deux par, un peu plus qu'un par jour, ça va faire deux ventes par jour à 365 jours ou quasiment trois ventes par jour à 200 jours. Alors on s'en fout, je suis en train de vous parler des chiffres, mais c'est important. En tant qu'entrepreneur, vous devez connaître vos chiffres. Donc c'est important de connaître vos chiffres. En gros, ce que je veux vous dire, c'est que c'est impossible tout seul. Impossible. Vraiment. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Du coup, vous allez prendre un mec qui va gérer vos tunnels de vente, parce que vous n'êtes pas marketeur, peut-être que vous êtes coach, peut-être que vous êtes consultant. Donc votre métier, ce n'est pas de faire du marketing, ou c'est pas de faire de la vente, mais vous devez faire des ventes tous les jours, soit 2, soit 10 si vous voulez faire un million, et si vous avez un produit à 500 ou à 2000 euros. On va prendre la base de 2000 euros, moi je suis un peu plus cher que ça, mais 2000 euros, ça veut dire qu'il faudrait que pour faire un million, j'ai besoin de faire 2,5, donc 3 ventes par jour, puisque je travaille 200 jours par an, et encore là j'ai pas compté les vacances. Ce
qui va devenir un peu compliqué du coup derrière, c'est que pour faire ça, il va me falloir un tunnel de vente, il va falloir automatiser, il va me falloir un site internet, il va falloir écrire du contenu, ou il va falloir de faire de la publicité et tout. Pour tout ça, en fait, je vais payer des gens. Et souvent, par exemple, si vous prenez quelqu'un qui fait votre publicité en ligne et qui est bon sur Facebook, il va vous prendre 20%. Ça veut dire que si vous générez 1 million de chiffre d'affaires, déjà, le gars, il vous prend 200 000 euros. Ouais, ça change un petit peu les choses. Donc 200 000 euros, ok. Donc il y a 200 000 euros qui sont partis, et là on a juste de la publicité. Il faut un type aussi qui fait le tunnel de vente. Et ben imaginez que le mec qui prend le tunnel de vente, il prenne aussi de 20%. Alors je vais raccourcir, parce qu'en fait c'est des trucs, c'est pas pyramidal, mais on va dire qu'il va donc prendre 150 000 ou 200 000, puisque du coup il prend le reste moins la publicité, ou peut-être que tout simplement il prend vraiment 20%. Ça veut dire que vous avez 400 000 euros qui sont partis. Il vous reste donc 600 000 sur 1 million, ce qui est très bien. Franchement, vous vous payerez très très bien avec ça. Mais c'est vous qui allez faire tous les rendez-vous de closing, c'est vous qui allez faire tous les rendez-vous commerciaux pour closer, ou alors peut-être que ça se passe automatiquement, et là, dans ces cas-là, effectivement, vous arrêtez là, mais souvent, c'est pas le cas. Et donc, vous allez encore retirer 20%, donc vous allez retirer 600 000, il vous reste 400 000 euros. Vous allez me dire, c'est toujours très bien. Et oui, c'est toujours très très bien, mais ça veut dire que finalement, sur le million, vous avez fait manger pour 600 000 euros de personnes. Et surtout, en fait, derrière, ça veut dire que vous êtes toujours avec 3 clients par jour. 3 clients par jour. Ces clients-là, est-ce que vous allez être capable de les accompagner? Est-ce que vous êtes capable d'onboarder 60 clients par mois? 3 clients par jour, 20 jours par mois où on travaille, sauf si vous travaillez le week-end, 60 clients par mois. Non, sans doute pas. A priori, non. Ou alors, vous faites de la formation en ligne, mais peut-être. Mais dans tous les cas, vous aurez du SAV, vous aurez du monde, etc. Ça veut dire qu'il y a un moment donné, vous allez vraiment vous retrouver comme un dirigeant d'entreprise. Et là, dans ces cas-là, 1 million, c'est pas suffisant. Si vous avez commencé à montrer des équipes, si vous avez des coachs qui travaillent avec vous, si vous avez une équipe marketing, si vous avez une équipe de vente, si machin, 1 million, pour le coup, c'est peu. C'est pour ça que 1 million, ça veut vraiment rien dire. 1 million, c'est peu. Si vous avez envie de monter une belle équipe et que vous avez envie de monter une entreprise solide, vraiment, c'est peu. Par contre, 10 millions, comme certains vous le disent, c'est énorme. Vraiment, aujourd'hui, une grosse agence de marketing digital, comme je dirigeais, une belle agence, vous avez à peu près une quinzaine de personnes, ça tourne à 2, 3 millions. 3 millions de chiffre d'affaires, 4 millions de chiffre d'affaires, c'est du chiffre d'affaires. Effectivement, après, on a des dépenses assez importantes. Moi, j'avais... Alors, sur la première... Au démarrage, par exemple, je vais vous dire un truc, ce qui était intéressant, c'est qu'avant qu'on arrive à ces chiffres-là, j'avais une agence qui faisait 400 000 euros de chiffre d'affaires. Mais à 400 000 euros de chiffre d'affaires, on était 3. Donc j'avais pas des coûts énormes. Je dépensais pas énormément tous les mois. Et c'était beaucoup plus rentable pour moi pour me payer un salaire à la fin, et surtout beaucoup plus simple pour moi à gérer en termes de mindset, de qui je dois gérer, etc., qu'une entreprise avec 15 salariés et qui faisait des millions. Parce que tout augmente, en fait. Ça veut dire que votre assurance va augmenter, vos locaux vont augmenter, les gens qui veulent partir, qui veulent rentrer vont augmenter, les gens voudront être augmentés sur leur salaire, les gens voudront renégocier, il y a de plus en plus de personnes, c'est chiant. Donc moi aujourd'hui, je vous conseille plutôt de faire une boîte à 250 000, 300 000 euros, une belle boîte, sur laquelle vous faites 60-70% de marge dans du conseil, et là vous vivrez très très bien, vous aurez cette liberté que vous recherchiez. Maintenant, si vous voulez aller chercher 1 million, bah, c'est différent, c'est plus du tout la même logique. Faire 1 million, ça veut dire qu'il va falloir recruter, ça veut dire qu'il va falloir avoir des équipes, il va falloir dupliquer votre business, et la réalité, c'est que du coup, il va falloir avoir du SAV, il va falloir gérer des contrats, il va falloir avoir des avocats, et vous aurez des gens qui voudront pas vous payer, il y aura des gens... C'est un bordel monstre. Ça veut dire 60 clients par mois sur un produit à 2000 euros. Parce que, en fait, 1 million, je vous le dis juste, hein, 1 million, c'est 83 300 euros par mois de chiffre d'affaires. Voilà. Donc, où je voulais en venir? Je voulais en venir que ne visez pas le million, parce que c'est pas l'étape 1 de votre entreprise. Par contre, essayez de monter une super belle boîte à 200 000 ou 300 000. Vraiment. Après, ça sera facile d'aller chercher 1 million. Parce que vous déciderez d'aller chercher 1 million, vous dupliquerez. Ce qui est très très difficile, c'est de faire les premiers 200 000 euros. Eux, ils sont compliqués. Vraiment. Parce que là, c'est là, après, vous allez pouvoir commencer à investir, vous allez pouvoir payer des salaires, vous allez pouvoir vous payer correctement. Donc, cherchez des profits en priorité, cherchez des bons clients, ne cherchez pas obligatoirement le million. Il n'est pas
très intéressant, vraiment, parce que c'est vraiment épuisant. Il y a beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui que je connais qui sont des entrepreneurs du web, hein, qui font le million et qui disent bah, « en fait, j'aurais mieux fait de m'arrêter à 400 000 ». Parce qu'après, par contre, vous pouvez monter plusieurs boîtes à 200 000. Ça reste des boîtes qui seront gérables, qui seront à taille humaine, qui n'exploseront pas. Et là, ça sera beaucoup plus intéressant que d'avoir une grosse boîte à 1 million. Après, si vous voulez faire 1 million, je vous le dis, allez chercher les 3-4 millions, là où vous retrouverez une belle rentabilité. Mais pas juste 1 million. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Encore une fois, si vous voulez avoir des vrais conseils, parce que je vais aussi vous donner, là c'était plus vous faire prendre conscience de quelque chose, mais je vais vous donner vraiment des conseils sur votre business, sur comment trouver des clients, quel mindset il faut, comment closer plus, comment faire du marketing, comment monter des tunnels de vente. Abonnez-vous à la chaîne YouTube parce que je vais tout vous dire. C'est ce qu'on fait au quotidien dans l'agence, dans notre cabinet de conseil, donc autant le partager. Et puis ben, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.